Moi, je travaille à la Cinémathèque et mon travail, en fait, c'est de regarder des films avant 60, documentaires, et de les décrire, non pas les analyser, les décrire, et de les munir de mots-clés, de manière à ce que tous ces documentaires qui sont dans la collection de la Cinémathèque soient accessibles à des chercheurs ou à des gens qui font des films et qui veulent des extraits. Et un beau jour, c'est au pays du Scalp, du marquis qui est là, qu'on m'a sorti pour regarder. Et à partir de là, bon, j'ai eu le coup de foudre pour ce film et pour celui que je ne connaissais pas qu'il avait fait. Et bon, ça, c'est le début d'une longue recherche sur lui qui a couvert les derniers 10 ans avant de faire le film. Meta, Vichada, Guaviare, Inirida, Atabapo, Ventuari, Cochino. Le travail dès le départ a été de respecter au plus proche les films du Marquis de Wavrin. On disposait de deux matières, les films originaux et puis des bobines de rush et de prises alternatives qui n'avaient jamais été utilisées auparavant sur d'autres films. Et l'idée était que si on utilisait un extrait de film, c'était l'extrait exactement tel que il était utilisé, enfin montré par le marquis de Wavrin dans ses films. Et sinon, on utilisait la matière pour monter des séquences en fonction des besoins de la narration du film. Donc d'abord, il y a cette caméra, comme il dit, qui pèse 40 kilos, que il a donc le trépied, puis la caméra. Il y avait deux fois 40 kilos à se trimballer. Les films, à cette époque-là, enfin en tout cas pour les deux premiers, c'était des caméras avec des bobines de 3 minutes. Donc il fallait en plus changer de bobine constamment. C'était des petites bobines. Donc il filme une cérémonie, il fait 3 minutes, et puis sans doute il doit leur dire d'arrêter et puis de recommencer. La seule chose qu'on s'est permis, c'est de rendre muet, enfin pas muet parce qu'il y a de la musique dessus, mais d'enlever les commentaires qui accompagnaient ces images dans le film original. Parce que, et là c'est justement une difficulté de ces films, il y a souvent une contradiction entre l'image et le texte dans les films du Marquis. Autant l'image est pure et témoigne d'une grande authenticité et montre l'approche très complice du marquis par rapport à ce qu'il filme, autant le commentaire écrit ici en Belgique avec la mentalité des années 30 est souvent superficiel, fait des plaisanteries idiotes. Regardez les films du marquis de Wavrin. C'est une approche tout à fait différente que regarder le documentaire qu'on a fait. Les films du marquis de Wavrin sont vraiment inscrits dans leur époque, avec des images qui sont tout à fait novatrices en leur temps et des musiques qui sont souvent intéressantes, des commentaires qui sont aussi révélateurs de leur époque. C'est donc une approche soit historique, soit cinéphilique, soit ethnographique. Le film qu'on a fait s'attache vraiment au Marquis de Wavrin cinéaste. Ce n'est pas du tout un film exhaustif sur sa vie, mais qui vraiment cherche à préciser et à mettre en avant plutôt le rapport filmique et photographique qu'il a pu avoir avec les populations qu'il a rencontrées en Amérique du Sud et qui l'ont petit à petit fasciné, avec lesquelles il a passé 15-20 ans de sa vie. Quand j'ai commencé à avoir des contacts avec le Paraguay, ce qui est étrange, c'est que eux, ils parlaient de quelqu'un de connu et ils étaient ravis qu'il y avait un film sur quelqu'un qu'ils connaissaient bien. Tandis que c'est paradoxal, alors qu'ici, quand je disais on fait un film sur le marquis, quel marquis, qui, quoi, etc. Et donc, le fait maintenant de savoir, puisque j'ai fait savoir que le film reconstitué
à 40 minutes, ils sont en attente ardente de le voir. Ce qui était très important, c'était qu'on se rende compte de la particularité de son travail et en plus de la particularité de sa relation avec les populations qu'il a rencontrées, qui était tout à fait extraordinaire à une époque où on considérait les Indiens comme des sauvages qu'il fallait civiliser. Lui a eu une approche qui s'est affinée petit à petit, c'est pas venu d'emblée, et qui lui a permis de photographier et de filmer de mieux en mieux, de plus en plus précisément, avec de plus en plus d'empathie, et c'est ce qu'on essaye de transcrire dans le film. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.